Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je nous invite à ouvrir nos Bibles dans l'Évangile de Christ selon Marc, dans son 11e chapitre, au verset 24. Lisons tous ensemble. La Bible dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est le Seigneur qui parle. Il dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Nous sommes dans cette période merveilleuse où le Seigneur nous invite, je dirais même mieux, il nous convoque afin de lui demander en priant, mais en demandant dans la prière, la clé c'est la foi. Il dit croyez que vous l'avez reçu. Et j'aimerais nous dire que dans cette période particulière où le Seigneur nous est favorable, venons tous ensemble devant sa face pour lui demander en priant, mais faisons-le avec foi, en sachant que cela va s'accomplir. Parce que le Dieu que nous servons, le Dieu à qui nous demandons est fidèle, il est glorieux, c'est lui qui tient l'univers dans sa main. Il n'y a aucun défi qui tient au-devant de lui. Et ce matin, j'aimerais prier avec nous en ce jour, afin que ce programme, non seulement vous soit favorable, mais qu'effectivement que vous puissiez marcher avec la foi. Ce matin, je nous invite à prier tous ensemble, afin de déplacer les montagnes et d'expérimenter la main de Dieu. Si vous êtes d'accord, nous allons prier d'abord. Prions tous ensemble. Père Saint, Dieu véritable, nous t'approchons avec foi en croyant que ce que nous te demandons, nous l'avons reçu et nous devons s'accomplir. Voilà pourquoi je prie, Seigneur, nous prions tous ensemble maintenant, en demandant, Seigneur, qu'un esprit de foi puisse nous saisir. Alors que nous allons approcher, Seigneur, des moments de prière particuliers, nous prions, Seigneur, toi qui es l'auteur et le consommateur de la foi. Seigneur, remplis nos cœurs d'un esprit de foi, afin que les choses puissent bouger dans nos vies, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour les choses, les montagnes qui ont longtemps résisté, à travers ce moment, que quelqu'un puisse expérimenter ta main au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions tous ensemble, afin que ton nom soit glorifié à travers les exaucements. Car tu as dit dans ta parole que nous verrons cela s'accomplir. Seigneur, nous recevons cela avec foi et nous déclarons que oui, nous sommes victorieux et nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Car nous verrons cela s'accomplir à cause de la fidélité de celui qui nous appelle à la prière. Que ton nom soit béni, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons tous.